Bon, qui m'appelle? Allô, Vini? Ouais, c'est moi, ça va. Ah, t'as une nouvelle mission pour moi? Je t'écoute. Ouais, tu m'as envoyé des informations sur le PC? Attendez, attendez. Alors, je vous vois, mais je te tutoie, bien évidemment. Je vais voir ça, je vais voir ça. Tu m'as tout envoyé, tu me dis. Tac. Greenview Street. Ouais, le 102, j'ai l'information. Ah non, mais je peux pas, Vinny. Mais c'est les Johnson, mais je connais la famille Johnson. Ah non, mais la Vinny, tu me mets dans la sauce. Ah, t'as des informations sur la villa de Monsieur ID. Elle est à Marseille, mais tu peux pas m'en dire plus. Il faut que j'aille récupérer un document sur les Johnson. Je peux pas, Vinny. Johnson, c'est... Je comprends, je comprends. Bon. Zendé, si tu m'entends, je m'en excuse. Eh bien bonjour tout le monde, ici Goblin. Aujourd'hui on se retrouve sur un deuxième épisode sur Thief Simulator. J'aime énormément ce petit jeu. Et là on va aller se faire le petit contrat chez la famille Johnson. Il faut récupérer des documents confidentiels. Je crois qu'il faut récupérer son contrat qui le lie au Weston Schalke, à Monsieur Zendé Johnson. Je suis désolé Zendé, je suis désolé, mais moi je dois retrouver la trace de la villa de Monsieur Hiday. Et Vinny connaît des missions. J'ai pas trop le choix de m'exécuter. Donc on va aller opérer. Écoutez, on va se rendre au 102. J'ai pas mal évolué depuis la semaine dernière. Je kiffe ce jeu. En vrai, je kiffe ce petit jeu. Tac, je commence à me débrouiller un peu mieux. Et c'est parti, on y va au Greenview Street, au numéro 102. Alors, on n'a aucune information par contre de quand il est chez lui ou pas. Alors, je pense que là, il doit être à l'entraînement avec le Weston. En plus, il a match, ouais, il a match demain soir. Donc, on va aller checker ça. Allez, on y va tranquillement. Alors, le 102, c'est là-haut. C'est sa maison secondaire, hein, je crois, à Zendé, de toute façon. Donc, en toute logique, il devrait pas être là, mais il a une grande famille, Zendé, hein. Donc, on va se garer là tranquillement. Attendez, parce que à chaque fois, je gêne un peu. Voilà, les passants. Déjà, on fait une petite reconnaissance comme ça, là. Et il a une belle baraque, le Zendé, hein. Bah, il touche bien, hein. Il touche bien au Weston. Et en plus, ça, comme je vous dis, hein, je crois que c'est une maison secondaire. C'est pour ses frères ou je sais pas quoi. Allez, on va aller checker. On va aller faire un peu de reconnaissance avant tout. Personne dans la rue. Ouais. Ça a l'air d'être calme. Ça a l'air d'être calme. Ah non, il y a quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Ok, on a quelqu'un à domicile. Ouais. On va se mettre accroupi. Je sais pas c'était qui. J'ai pas bien vu. Mais il me semblait que c'était un homme blanc. Peut-être des amis à Zendé, je ne sais pas. Ouh là là là, y a sa femme à Zendé. C'était la femme à Zendé, ça. J'espère qu'on m'a pas vu. Ouais. Bon, faudrait savoir les informations. Est-ce que... Eh, c'est bon, elle est là-haut. Me voit pas, me voit pas. Vite, prends les infos. Les infos. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est bon. Ok. On a déjà quelques informations. Ouais, à mon avis, il va falloir faire le casse en pleine nuit, je pense. Je pense qu'on va revenir plus tard. Ça me paraît trop risqué. Je suis en hésitation. Je sais pas ce qu'il nous fait le bonhomme. On tente. Alors ça j'aime pas. Je suis pas très bon à ça. C'est bon. J'ai reçu du premier coup. J'ai ouvert très fort. Oula, 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 il y a les fenêtres là. Oula, 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 il y a les fenêtres. On n'est pas à l'abri du tout. Oula, il y a plein de fenêtres. Bah au moins ils ont de la lumière, hein, ça c'est sûr. Alors le coffre il serait derrière ce mur là. C'est tendu. Ouais. C'est le contrat qu'il faut récupérer. Ouais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, je pense que... Il m'avait pas dit que c'était devenu papa, Zendaya Johnson, tiens. Ouais, je pense que je vais aller me cacher. Je vais attendre la tombée de la nuit, je pense. Et puis, je vais opérer dans la nuit, hein.
Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas de coupe verte, ça c'est dommage ça. Ça coûte trop cher. Ouais, il va falloir plus d'informations. Hop, j'ai des nouvelles infos. Donc on sait qu'ils sont à la maison une bonne partie de l'après-midi. Et c'est pas Zendé ça. Hein. Je sais pas c'est qui cet homme-là. Ça se trouve, ouais. Sa femme, ouais, ça se trouve, fait des cochonneries avec un autre homme. Hein. Je me demande si c'est pas un certain Alexidé, parce qu'il était chauve aussi. Ouais, bon. Écoutez, moi je vais aller me réfugier et on se retrouve à la tombée de la nuit. Bon, les amis, j'ai oublié d'allumer la GoPro, mais j'ai vu l'homme partir. Et ça doit être un ami Azende, hein, je suppose. C'est un homme blanc. Et sa femme, Azende, elle est toujours toute seule là-haut. Non, mais je me promène. Enfin, je rentre ma belle voiture. Je prends des petites photos et tout. Je fais un petit vlog pour ma chaîne YouTube si vous voulez voir. Non, alors, moi, je disais, ouais, je vous disais. Et toute seule, la femme Azende. Azende, il n'est pas encore revenu. Et ça, c'est l'occasion d'y aller maintenant. On va essayer de passer par la porte d'entrée. Ah, quoi qu'elle devrait partir elle aussi. Hein. Elle devrait bientôt partir apparemment. Vous savez quoi? On va peut-être attendre qu'elle parte. Hein. Ouais, on va faire ça. Bonsoir madame. Ouh, très jolie. Ouais, elle va partir, je crois bien. Mettre à ma voiture, moi en attendant. J'essaie de pas trop parler fort, hein. Je suis désolé. Et là, regardez, c'est la femme Azende. Hein. Ouais, je confirme, c'est la femme Azende. Let's go. Let's go, let's go. Il n'y a plus personne. On y va. Ah, j'ai pas pour ouvrir ici. Ah bah c'est mort. Je pensais que ça allait être serré niveau 3. Et même pas. Ouais, mais le problème c'est qu'ils ont tout fermé derrière. Ça va être plus compliqué que prévu, hein. Ouais, tout est fermé. Hein. C'est mort. Même si je m'introduis dans leur jardin. Aïe, 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 aïe. Puis là, je commence à être suspect. À force, les gens, ils se demandent qu'est-ce que je fous ici. Là, il va falloir retourner de jour. Il va falloir s'introduire de journée. Ah, écoutez, en attendant, on va aller voir ce qu'il y a là-haut, tiens. Ah ouais, le travail n'arrête jamais. Hein. Le travail n'arrête jamais. Ça, c'est pour mon compte personnel, j'ai besoin de me faire un peu de sous. Les Smiths. Oh, je les connais pas du tout. Oh merde, ils ont une caméra de surveillance. Oh merde. Oh merde. Vous savez quoi? On va aller. On va partir d'ici. On va partir d'ici. On va aller s'occuper d'une maison que je connais peut-être mieux. Hop. Ah là, c'est trop risqué pour l'instant. Pour le contrat de Johnson, on ira ça choper ça plus tard. Ici, c'est une maison où ils ont du fric. Je vais me garer là. Je les connais en face. Je les ai volés la semaine dernière. J'ai failli me faire choper d'ailleurs. Je les ai volés alors qu'ils étaient le couple était à domicile. Hein. Donc. En vrai, on peut retenter. Hein. Ils ont peut-être renforcé la sécurité, vous allez me dire. On va y aller tranquillement, il n'y a personne dans la rue. Allez, on crochette ça. Il était pas loin. Nickel. Ah ouais, ils ont mis des stores comme ça maintenant. Faut être discret. Hein. Eux, ils ont du fric. Hein. Je pense que la télé écran plat que j'ai pris, j'en aurais piqué deux même. Je pense qu'ils l'ont changé. C'est très risqué. Hop, l'iPhone. Le routeur, c'est pour moi. Oh, le micro-ondes. Pour les trucs qui sont vraiment intéressants, 90 balles le micro-ondes. C'est très risqué, hein. Je peux me faire choper à tout moment. L'écran plat. Je vous l'avais dit qu'il avait changé.
Alors, moi, celui-là que j'ai piqué, il était beaucoup plus grand que ça. Hein. Un téléphone. Prends ça. C'est super risqué ce que je fais. Prends le routeur aussi. Putain, c'est lourd! Sa mère! Putain! Il est fat le machin. Faut être discret, faut être discret. Moi, je vais aller revendre tout ça ensuite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Par contre, il y a quelqu'un dans la rue là-haut. Pose ça là. Referme. Tac. On va attendre que la personne passe. On va mettre ça dans le coffre, on va se barrer. Il reviendra demain dans la journée pour la famille Johnson. Allez. Qu'est-ce qu'il fait demi-tour le gars, il fait demi-tour. Après, je suis chez moi. Hein. Ah, c'est bon. Allez, on y va. Allez, 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 vite. Putain, je me suis garé loin, je me suis garé loin. Heureusement qu'il n'y a pas de patrouille de police parce que c'est quand même louche. Hein. Un gars à minuit 50 avec une télé dans les mains, c'est quand même assez louche. Hein. Et là, on va se faire pas mal d'argent, les amis. Bah écoutez, moi j'embarque ça dans le coffre. Et puis on se retrouve chez le vendeur. Et puis pour la famille Johnson, on va y retourner demain dans la journée. Tac. Ah, je suis un professionnel maintenant. Tac. Et voilà. On démarre. Et on se barre. Le plus loin possible. Et là, on a fait un joli casse. Hein. Celui-là, il devait pas être fait de base, mais là, ça, c'est pour le porte-monnaie. Hein. On se met bien. Bah écoutez, moi, je vous retrouve demain. Ou je vous retrouve chez le vendeur, tiens, pour voir combien on va se faire. Welcome. Eh, bonsoir, bonsoir. Oui, j'arrive assez tard. 120 balles la télé. Hein. 120 balles. Hein. Le micro de 90 balles. Les petits routeurs 40. Les iPhone usés 40 et le routeur. Eh. On s'est mis bien là. Hein. On s'est mis bien. Bonsoir, monsieur. On s'est mis même très très bien. Écoutez, moi je vais aller passer ma nuit et puis on se retrouve demain chez les Johnson. Bon les amis, je vous retrouve pour un autre casse. Parce qu'il faut que j'achète le couvert. J'ai pas le choix pour rentrer chez les Johnson. Et là, il me faut des sous. Il me faut des sous. Je suis dans une famille que j'ai déjà cambriolée aussi. Je connais un peu leurs habitudes. Il y a quelqu'un chez eux en ce moment, mais ils sont en train de dormir la personne. Faut juste que je sois discret. Il y a forcément un billet de 50 qui doit traîner quelque part. Comme par hasard, il n'y a rien pour l'instant. Peut-être dans la chambre du petit. Je crois qu'elle s'est réveillée, la personne en bas. Putain, y a rien, c'est quoi cette arnaque? Vous donnez pas d'argent de poche à votre gamin? Et bah voilà. $15. On voulait plus, mais bon. Sérieux, c'est ça, c'est joué. Il a pas une PS5. Ouais, y a rien. Ça vaut un peu d'argent. Y a rien du tout. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Non, je vais pas aller en bas. Ah, mais il y avait de l'argent là. Vous pouvez pas me le dire, vous? Y a rien ici. Rien là. Et en bas. Ah, y a rien. Écoutez, c'est pas bien grave parce que j'ai déjà pris. Le home cinéma, les deux enceintes. Ah, ça vaut pas d'argent, ça on s'en fout. Le chandelier. Ah, il y avait de l'argent là aussi. 50 balles! Allez, on va se barrer. On va se barrer. Ils ont beaucoup de vaisselle, hein. On va se barrer avant de se faire choper. Ouais, non, ça vaut rien du tout. Il y avait deux chandeliers. J'ai pas vu. C'est intense, hein. J'y vais, j'y vais. J'ai pas regardé les placards, mais je me dépêche. Y a rien d'autre. Écoutez, voilà, on va quand même prendre pour remplir le sac. Et on se barre. On se barre. Tac, et ni vu ni connu. Hop, on rebloque la truc. Et tant qu'il y a personne dans la rue,
Hop, les enceintes. Je me suis garé. Ouais, à côté. Allez, 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 on se dépêche, 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 dépêche. Tac. Et une fois de plus, hein, moi je vais aller vendre ça. Je vais me mettre bien. La personne est retournée se coucher de toute façon. On aurait pu faire un plus grand casse en vrai. Mais là déjà, ça va se mettre bien. Il me faut 2 500 $. À mon avis, je vais recambrioler une maison, puis on se retrouvera ensuite pour de bon chez les Johnson. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis allé chez le vendeur du coin. J'ai acheté ce qu'il me fallait. On va passer par la fenêtre. Alors, par contre, ça, ces serres-là, c'est vraiment. Yes. C'est pas mon dada. À chaque fois, il la répare, mais. Ok. Alors, je crois qu'ils vont pas trop dans la chambre du gosse. Donc, je pense que passer par la fenêtre ici, ça peut être un bon choix. C'est tendu, c'est tendu. Parce que là, il y a la porte d'entrée. Enfin, il y a la porte, ouais, de la chambre. Et en vrai, on va passer. Ouais, je sais pas. Hein. Il s'est assis. Vas-y, on passe par là. Je sais pas comment ça marche. Faut faire quoi? Alors, coupe. Ah oui. Comment ça marche? Je cherche à comprendre comment ça marche. Hein. Bordel. D'accord. Ah mais je découvre mon métier. Hein. Moi si je fais ça, c'est pour me venger sur Alexis de base. Hein. Pour retrouver sa ville là. Hein. Qui est dans les quartiers nord de Marseille. Maintenant, en fait, le mieux, vu que j'ai. Ouais. C'est ultra risqué. Je vais me cacher dans un placard. Je vais attendre qu'ils partent. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'ils partent. On se retrouve après. Bon, en fait, j'ai réfléchi. On va pas rester. Attention. On va pas rester. Parce que s'ils ferment les stores, après moi je suis niqué. 50 balles. Hein. Mais c'est la famille Johnson. Hein. Je la respecte. Hein. Moi je viens juste piquer ça. Je laisse les 50 balles. Bon, ça je sais comment ça marche. Faut y aller doucement. Ok, 60. 6. À gauche. Allez. Allez, je me suis fait avoir, oui. Donc 48 ensuite, ok. Putain, je me suis encore fait avoir. Allez, je sais faire pourtant, mais j'ai la pression, ils sont juste à côté. 66, ensuite c'était 48. Voilà, et maintenant comme ça. Nickel. Oh, il y a du pognon, hein. Mais une fois de plus, hein, la famille Zende, je la respecte. Moi je prends juste le contrat. Ah, c'est bien le contrat de Johnson au Western Schalke. Je sais pas pourquoi Vinny le veut. J'en sais rien du tout. Moi je me casse. Ni vu ni connu. Il y avait 150 balles que j'aurais pu piquer. Il est parti. J'ai le temps avant qu'elle parte. Intrusion. Non, 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 pas d'intrusion, c'est faux. Vite, vite, je vais à ma voiture. Hop, c'est bon. Mission réussie. Ça aurait pas été trop beau. Je me casse parce que là, tout le monde s'alerte un peu. Et on se casse à la maison. Ça aurait été compliqué. Ah, mais on aurait réussi. Là, je m'éclate bien sur ce petit jeu. Et il y aura encore une suite, il y aura un troisième épisode. Peut-être plus, même on verra bien.
Là, on a réussi à piquer le contrat de Zendaya Johnson, le joueur du Western Schalke. C'est pour Vini, je sais pas ce qu'il va en faire, mais la mission est accomplie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes, d'autres petites histoires comme ça. Merci à vous, prenez soin de vous. Bye bye.